Yo tout le monde, c'est Minecraft pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment installer des maps. Donc déjà je vais vous prouver que je n'ai pas la map que je vais mettre, donc je n'ai pas la map. Et donc on va par exemple télécharger la map, je sais pas, gâteau. Donc on va taper gâteaus map Minecraft. Hop, on va dans le premier lien, enfin Minecraft France, c'est pas mal. Quand vous avez fait ça, vous allez. Donc là, il y a les screenshots pour voir les maps si vous ne connaissez pas. Là, vous tapez sur gâteaus 1.8 ou plus d'1.8. Donc on clique dessus. Donc ça va nous rediriger vers un lien Mediafire. Je vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien dans la description. Donc, je vais faire un petit. Donc, vous téléchargez. Donc, il va aller dans votre page de lien de téléchargement. Vous enlevez. Déjà, il faut quitter Minecraft, sinon votre map ne se téléchargera pas. Donc, quand vous avez fait ça, vous allez la déplacer sur le bureau. Et vous pouvez fermer votre page. Et donc, vous allez cliquer sur la touche Windows R et ça va vous mettre une page. Donc vous allez faire pourcent A P D A T A pourcent. Donc ça fait pourcentage A P D A pourcentage. Donc ça fait pourcentage AppData pourcent. Donc on fait OK et donc là on va dans le point Minecraft. Quand nous sommes dans le point Minecraft, nous sommes dans Save. Nous allons voir tous nos mondes. Et donc, nous allons déjà, je vais pas le mettre en, je vais l'extraire en zip parce que c'est pas bien en WinRAR, donc le WinRAR pour les maps, on supprime. Et donc, vous allez ouvrir un fichier, vous allez avoir la map. Donc, vous la sélectionnez et vous la mettez sur le bureau. Et ce bureau-là, et l'ancien fichier, vous pouvez le supprimer. Donc ça, vous l'enlevez. Et donc vous allez dans Save, vous allez déplacer la map que vous avez mis et vous allez la mettre vers Save. Et donc vous aurez votre map qui est là. Donc vous quittez ça et juste à ce moment-là, vous allez lancer Minecraft. Donc on attend un peu. Ça charge. Maintenant que vous avez fait ça, vous lancez votre Minecraft. Hop. Bien sûr, ça marche avec toutes sortes de maps, pas qu'avec la map que je fais. Donc maintenant, quand vous êtes dans Single Player, vous descendez, vous voyez qu'on a la map Gatos, la map que je voulais télécharger. Donc quand nous allons lancer, bah, nous allons faire la map que je vous ai montrée en vidéo. Donc voilà, on peut commencer le jeu. C'est super. Et donc voilà, donc c'était Magicraft et comment mettre des maps Minecraft. J'espère que cette vidéo vous aura plu et ciao!